Bonjour, je m'appelle Ludovic Zoffler, je suis ouvrier d'entretien dans un internat. J'ai un cancer de la chaîne lymphatique. J'ai subi énormément d'opérations, dont des très lourdes chimiothérapies. Ce qui a en découlé, c'est que j'ai perdu mes reins. J'ai été 3 ans et demi dialysé. Ça m'a coûté énormément d'argent au niveau des opérations, des médicaments, au-delà de 25 000 euros depuis 2011. Et alors, ce qui en a découlé, c'est que pendant un moment, j'ai dû me poser la question si ma maison ne serait pas à vendre parce que je ne savais plus payer mes traitements, je ne savais plus rien payer. Et mes proches m'ont aidé financièrement pour pouvoir payer tous ces traitements lourds. Et alors, je voudrais demander aux sociétés pharmaceutiques, arrêtez le lobbyisme, arrêtez de vouloir un maximum d'argent sur le dos des patients. Ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'à nous, ça peut arriver à vous. Et je voudrais que les prix des médicaments deviennent plus corrects, aussi bien pour l'INAMIQ que pour nous.